Salut, bonsoir. نسقم روحي مليح. اهلا اهلا مرحبا. راني جيت ان بتي بو اون افونس. تقلقت حبيت نبدا هاد اللايف. استنى باش نشوف برك. اوه ليسي مي شوفو. اوا اللي لعبت واحد اخر. C'est pas moi du tout. Cache nahar peut-être. Pour te faire plaisir, Bart. Salut tout le monde. Marhaba. Alors, vous savez qu'on va faire un live avec une gynécologue. Donc, on attend donc qu'elle arrive, Selma. Ouais, je peux pas prendre quelqu'un d'autre, Simholi. J'espère que vous avez préparé vos questions. Alors, on va essayer de répondre à toutes les questions. D'accord? On essaye aussi d'organiser Chouya le live Lyon. Donc, j'ai préparé les questions. Comme les deux tournent le pôle. C'est pas d'être comme une story. Ou d'être tous les. Enfin, des questions. Donc, Homlik. Alors, les gars, où je tombe. On va essayer de répondre à tout le monde. Après, je vais passer. On va répondre aux questions. Les poser Homlik Facebook aussi. Parce que j'ai mis une note aussi sur Facebook. Et oui, j'ai une page aussi sur Facebook. Aussi, ma health and fitness. Fitness and health. Voilà. Et donc, après, on va répondre à vos questions aussi ici, d'accord? Et puis, vous savez, peut-être si je réponds à une question qui a été posée par quelqu'un d'autre, c'est vous faire réponse à la question. La même question que celle que vous avez, tout le monde. D'accord? Bon, je pense que je vais attendre. Déjà, il y a des questions. Il y a des questions à répondre. Le temps qu'elle arrive, peut-être. Par exemple, est-ce qu'on peut faire... La question qui revient tout le temps. Est-ce qu'on peut faire du sport quand on a nos règles? D'accord? Et oui, on peut faire du sport. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez tout faire. Sauf si vous avez trop de douleurs ou la racoute de jour. Donc forcément, on va faire du sport avec cette douleur, c'est tout. Mais sinon, il n'y a aucun problème, on peut faire du sport quand on a nos règles, d'accord? Ça, c'est la première question. Après la deuxième, c'était la diastasis ou le diastasis. Donc, il y a la belle home, ce que c'est. Alors, une diastasis, c'est quoi? C'est la séparation t'as les grands droits. Surtout, le ventre, on a les deux grands muscles. On a les grands droits. D'accord? Alors, pendant la grossesse, donc, tellement le ventre, on a les grands droits, ils se séparent. OK? Donc, quand ils se séparent, d'accord? Donc, malheureusement, en plus, un asaratlé, d'accord? J'ai fait 3 grossesses, 3 césariennes et j'ai fini par une diastasis. Donc, j'ai eu ça. Et le seul moyen pour régler ça, c'est la chirurgie. D'accord? J'ai beau faire des abdos, j'ai fait plein d'abdos. Et à où dévoulez le ventre plat, et à où dites muscles et tout ça, il restera toujours le vide. T'as-tu qui dit comme hak, les doigts, comme il dort le derrière, fait cache comme. Et ça, ça risque une éventration, d'accord? Une éventration, je ne trouve pas le culage de Selma. D'ailleurs, Tasso, dès que... Oh, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, c'est m'houlé. Oh, allez. Et donc, je disais, qu'il te relie de compte, Tasso. Enfin, il te compte complètement. Donc là, ça veut dire qu'il y a un vide, d'accord? Et en plus... Dès que tu chorbes le masse, bon, même il revient le ventre plat, mais dès que vous mangez quelque chose, ou là, dès que. Ah, c'est Selma, pardon. Dès que vous mangez quelque chose, hop, elle est là, Selma. Avec le vide, c'est-à-dire même les organes, ils sortent, tu sens l'estomac, comme ils sortent. Et ça, ça reste une occlusion intestinale, c'est-à-dire les intestins qui étaient à l'eau. Salut, marhaba. Oh, le ward, mais celle-là. Je suis désolée, bon, pour celle qui me dit à chaque fois pourquoi tu ne te montres pas la râle, j'ai mes raisons. Je vais vous dire comme nous, je vais vous dire. Word, qu'est-ce qui m'a le word? Tu es word aussi à la coulée. Merci, Mariam. Ça va?
Très bien, et toi, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Je t'ai de mes nouvelles souvent. Oui. Tiens, d'où es-tu? La séance théâtre. La séance derrière, de la sport, on a bien travaillé. Les enfants, mon ardine. Ah, en plus, Lyon, ils ont repris le sport, les activités à l'école. Donc, Oui. dès 3 heures ce soir, alors ils étaient K, au Rigdoubikri, ça y est, ils étaient déjà. Psychtom. Alors, Olivier, t'as reçu quelques questions ou là, non, comme programme. J'avais commencé à répondre parce qu'il y a des questions, les Nkhdran répondait à l'Ihom ou Oui, pas. bien sûr. Un homme d'habillage, Préparé toutes les questions, les Jaunif le pot. j'ai vu ta réponse pour diastasis. C'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'il y en a se rater aussi. En plus, Anaya, je suis chante, moi, la césarienne, ou d'autres les abdos, et d'autres les abdos. Donc, à d'autres zéro les abdos et tout ça, mais ça, tu avec la séparation, dès qu'on mange, tu es quand même ballon. Oui. Donc, le seul moyen, c'était la chirurgie. Et je suis passée par là. Donc, il faut trouver le kirchik, m'a dit, t'as la peau. C'est ma omelette, t'as la peau. Et donc, ils laissent les muscles, ils se rendent ensemble. Ou quand ils déroulent une plaque, quand des médecins ils déroulent une plaque, ils déroulent, ils chaque Oui, sur et tout ça. pour éviter les éventrations. Vous parlez de quoi? Enfin, on parle là du diastasis, parce qu'il y a une personne qui a demandé sur ce problème. Diastasis, c'est la séparation des muscles de grand droit. Alors, dans les Google, c'est dû souvent qu'est une grossesse, une césarienne, parce que lors de la césarienne, nous, on tire sur les muscles. C'est ça. On sépare les muscles bidine, hein? Ça, ouais. Donc, mon aide, elle tire avec moi. Donc, il y aura fort probablement une diastasis, mais Michel Galien, surtout une seule césarienne, deux césariennes, mais une fois, trois, quatre césariennes, faut s'y attendre. Anna, ça m'est arrivé dès la première césarienne. Hein. Je sentais mon ventre déjà. Bdani le Voilà, vide. alors, Aluna, c'est quoi le thème? Bon, le thème, enfin, elle a lancé. On va parler un peu de tout. Enfin, l'idéal, on va parler tout ce qui est sport pendant vos règles, comme soit la reprise du sport après une césarienne ou après un accouchement normal par voie basse. Voilà, tout ce qui est en relation avec surtout l'hygiène et tout. Mais on va pas parler SOPK parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Il me faut mon habar que je l'attends là, il était en week-end, l'endocrino, parce que le SOPK, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Ouais. Bon, par contre, une seule remarque, Mariam. Parce qu'ils ont besoin de sport. Surtout les filles, elles sont en surpoids. Dans l'SOPK, pour ovuler, si on perd 5% de notre poids, je ne saurais pas leur dire comment perdre leur poids. OK. Anna, c'est pas, je suis ni nutritionniste, ni sportif. Bon, c'est Nerjidou. D'ailleurs, c'est Salima qui est en train d'entraîner. J'ai fait 7 ans de judo, j'ai eu un problème au dos, j'ai dû arrêter. Ok. De toute façon, on fera une séance spéciale, ça, parce que j'ai parlé avec ce qu'elle. Exactement, voilà. Ce qu'on va faire, Mariam, une fois on va le faire en 2 fois. Une fois le live sur SOPK, je vais bien leur expliquer et tout. Moraha, je ferai un live avec toi. Voilà, tout ce qui est sport, hygiène et même les moyens, Inch'Allah. L'imam Belhom, je vais te l'envoyer à quelle heure et tout pour le publier. Ok, très bien. Moi, j'ai dit qu'on allait essayer de répondre à toutes les questions. On commence déjà Voilà. donc déjà les questions. Voilà, c'est ça, c'est l'idéal. Voilà. Sur Facebook aussi, j'avais fait une note, tu l'as vu, donc j'ai eu plein de questions. Donc, Je vais faire mon possible pour parler français et arabe, parce que déjà, j'ai beaucoup d'abonnés qui habitent en France, et les deux langues qui m'ont. voilà. Par contre, Mariam, il y a une seule remarque. L'article de tout le jeté, t'as les mycoses. J'ai eu beaucoup de commentaires méchants. Tu n'as créé l'arabia, tu n'as créé l'aslak. Mariam, il y a un truc. Je peux pas publier un article qui est scientifique. Parce qu'une fois, j'ai essayé de l'arabia, mais il fait mouche l'arabia, Mariam.
Mais faire ok au bout d'un je peux pas il y a des mots qui c'est un peu vulgaire mais actuel fait la société terne je peux pas ma qu'est-ce que nous parlons d'un déjà m'écrit donc la galbe Ouais, ça c'est difficile, ça. Problème, on a voilà essayé. donc au Beniti j'avais répondu le d'accord là tu peux utiliser Google traduction elle a dit le commenter ou un autre Beniti parce que en personne j'utilise Google Translate Les gars, donc voilà donc il faut beaucoup à dire. je suis nulle en anglais Mriam. Donc il y a des choses que je trouve en anglais je suis obligée de traduire là j'utilise Google tu peux utiliser Google Translate ancien manque de respect ou ok merci Attends que ça. Mais allez, faut et comme on peut. Donc, le Wahad l'essentiel, le bel oblique Nietna Marahish Nia Seyia. Hadahoua. Exactement, Radia. Ramadi Ok. Limrim, je n'ai pas les questions. On va commencer par les questions. Donc, la première question, c'était par rapport aux Oui, règles. par rapport aux règles. Ok. Est-ce que l'implant fait des douleurs aux muscles et surtout mal au dos? Merci. Alors non, non. L'implant, il est placé en sous-cutané. Alors, les myofasciales d'implant, l'implant, c'est un moyen de contraception. C'est un progestatif en général. Et nous mettons à 4 cm du coude. Donc, même pour l'insertion de l'implant, nous mettons en sous-cutané. Mais si nous mettons le muscle, sauf si, bien sûr, elle a fait un faux geste ou l'avant-bras. Mais sinon, non. Alors là, douleur au dos, pas du tout. Ok. D'accord. Alors, ok. Enregistrez le live, s'il vous plaît. Après, tu vas le faire un petit, sinon. Je l'enregistre, je le mets sur YouTube aussi et je le mets sur Facebook après. Hakda, Inch'Allah. pour vos réponses à ces questions. Est-ce que la pilule fait le surpoids? Alors, la pilule, elle a pas précisé quel type de pilule, y'a Ouais. parce qu'il y a bon, pour savoir, on a des pilules œstroprogestatives combinées ou qu'il y a des pilules progestatives qui mettent d'autres moyens. Bref, pour la pilule, il y a chauffé. Que c'est chacun son corps. Et en général, oui, en général, il y a une rétention hydrosodée. Bien sûr. Il y a une rétention d'eau. Bon, je vous dis que la pilule. Elle provoque Elle la peut, rétention. elle peut la, oui, elle provoque la rétention d'eau hydrosodée. C'est pour ça que la femme elle a tendance surtout une forte. Oui, c'est ça. En Et général, quand la pilule, la moitié salée, mais elle va surveiller son hygiène. Déjà, normalement, les règles hygiéno-diététiques avec ou sans pilule. On n'a pas ça. Mais avec la pilule, les hommes te double. oui, d'accord. Donc voilà. Par contre, il y a des pilules qui m'a jasmine ou bon, je cite les noms parce que j'ai l'habitude de les donner. Ils font pas vraiment la rétention hydrosodée. Donc, en général, la femme, elle va demander à son gynéco, est-ce que nefrat, mais bien sûr, la pilule, c'est chacune son indication. Maintenant, je suis une louhda diabétique ou la louhda hypertendue, une pilule œstroprogestative. Les progestatifs ont un effet moindre que la pilule œstroprogestative. Les progestatifs, il y a trop, surtout à docteur l'allaitement, c'est rasé, désiré, donc en général, c'est des progestatifs. Mais c'est Minoche qui m'a les œstroprogestatifs. D'accord. Ok. Donc ça dépend le type de la pilule. Oui, c'est un grand chapitre. Donc, en général, oui. Mais je sais qui m'a les antihistaminiques. Les antihistaminiques, tu as l'allergie. Alors, c'est une faute. Il y a l'œstroprogestatif. L'effet secondaire, c'est somnolent, il augmente l'appétit. Dites qu'on t'achète un autre progestatif, dites qu'on t'achète plutôt un antihistaminique, elle aura très faim. Donc, elle a qu'à surveiller son alimentation. Affaiblie, mais c'est pas ton corps, c'est pas ton métabolisme, mais c'est l'antihistaminique qui est en train de faire ça. D'accord. Ok. Voilà.
Alors, l'important, la question, elle est importante parce qu'elle revient souvent. Tu sais, l'important de faire la rééducation du périnée avant de reprendre le sport. Est-ce que les Oui. mains avant de reprendre le sport? On peut quand Voilà, même temps, elle est lazim. Elle est avant. C'est ça, à chaque fois, ils disent, qu'il y a des gens qui disent, bon, vous l'êtes, mais je ne peux pas faire de sport, donc elle a de la rééducation. Je n'ai pas besoin Non, de. non, non, elle est là. Déjà, à la base, la rééducation périnéale, c'est un type de sport, Mrim. Oui, c'est ça. Et contraction, tu as le muscle. Donc, ça, on peut la faire en même temps, sans problème. Oui, sauter ou là, ben là, ça va freiner à de la rééducation. Alors que Non, non. non. Voilà. Donc, il y avait ça. Après, question à la diastasis, on a déjà répondu. J'ai Oui. appris, moi, est-ce que je peux commencer le sport sachant que je suis en plein rééducation, elle veut dire, périnée. Donc, bien sûr, tu peux, Oui, si elle la a rééducation la du périnée. voix normale. Comment? Voix basse. Hey, la voix basse, oui. C'est ça. Donc, elle peut, bien sûr, Allô? reprendre le. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends, Marie. Donc, mais non, là, ce n'est pas une question. Merci, c'est gentil. J'ai une autre question. J'ai arrêté Oui. la pilule et j'ai installé un stérilet le 1er mars 2020. Oui. Pourquoi j'ai des douleurs lors des rapports? Merci. Alors, pourquoi vous avez des douleurs? Là, il faut consulter. Si vous ne saignez pas, ou là, il faut qu'on fasse une écho de contrôle pour voir si le stérilet il ne s'est pas déplacé. D'accord. Là, il faut consulter pour voir la distance entre le foin et le stérilet. Parfois, qu'il y a des femmes, le là, il risque de se déplacer, d'où elle risque une grossesse. Mais il faut avant, bon, qu'il y a un facteur psychique, hein, pour le stérilet, C'est alors vrai. que non. Mais si vous avez mal, vaut mieux consulter. Faites une écho, ça vous coûte rien. Bien C'est sûr, vrai. un examen, avec un examen clinique. Voilà, très bien. Alors, à partir de quel mois post-césarienne on peut reprendre le sport? Bon, pour Alors, quel. Bekri 6 mois, haka. Le Cameroun, 2 mois, il peut le 2 mois, maximum 2 mois, il peut 2 mois, De quoi? il peut reprendre. Voilà, Anna, c'est ce que je dis d'habitude, on goulhom 2, on goulhom jusqu'à 3 mois, mais allez, peut-être Donc, bramlé. pour Hadil, quand est-ce que je peux reprendre? Donc, elle a l'habitude de faire du sport, Mriam. Non, pour quelqu'un qui n'est pas trop habitué. Ah, mathématique sur la suite. Bon, pour quelqu'un qui n'est pas trop habitué, à partir du 3e mois, faut commencer par un peu de marche, un footing, ou là, pas de gestes brusques, bien sûr, pas de gestes qui augmentent la pression intra-abdominale. Voilà. On va répéter. Voilà, c'est Hadi. bon à éviter. Donc voilà, le genre de pilule qui fait le moins, ok, le moins, enfin, qui fait prendre le moins de poids, je veux dire, c'est ce qu'elle veut dire, je pense. Oui, ce Voilà. sont les pilules de troisième génération. Donc, je ne peux pas te prescrire un cas parce que c'est interdit. Les antécédents personnels, familiaux, pas de cancer dans la famille, tu n'es pas diabétique, tu n'as pas de varices. Hypertendu, antécédent de dépression, faut les connaître. Mais il y a des pilules, oui. Par rapport à d'autres pilules, tu vas pas beaucoup gonfler, disons. Comme parce que c'est le métabolisme, ça, il te bédèle. Mais faut surveiller le mec là. Ouais. Alors, Wahda Gatlek, est-ce que le sport est déconseillé quand on galère pour tomber enceinte? Yani, elle veut faire un bébé et elle a peur. Est-ce que quitter le sport, Non, au contraire. yani, ça. Voilà. Non, non, au contraire. Je comprends. C'est vraiment faux. Au contraire. Déjà, qui dit les sports, un des classiques récents, d'hormones du plaisir, l'endorphine. L'endorphine, elle va t'aider à ovuler. Parce que c'est un anti-stress. Le stress en lui-même, il ne va pas te laisser ovuler. Pas de pic de LH, pas d'ovulation. Donc, le sport, mais chère, pour perdre du sport, pour son bien-être et pour le stress, il va t'aider à avoir un enfant. En plus de ça, bien sûr, tu vas perdre du poids, tu vas avoir une alimentation saine et tout. Donc, au contraire. Pardon, je Oui. vois la réalité. Yani, quand l'enfant, quand le bébé n'est pas désiré, quand la grossesse n'est pas désirée, elles font tout au maïtèche.
ربي يقول لنا اسمعي مريم، وكان يستغفر الله ربي مساكن ايبر ديزيري، تقوشي تقوشي لاصق بسكوت. اسمعي، غروسس غروسس كامل، غروسس افريس كريم عندك حميدة، حكمي بكي والله ما ربي يسترنا كامل وخلاص. En tous les cas, le sport, هاي لك la réponse تاعها ou la تسمع فينا, le sport, il n'empêche pas, bien sûr. Au Bon. contraire, faut faire du sport. Il y en a Wahda, bon, après, elle n'a pas vraiment posé une question. Gatlik, moi, je souffre d'amaigrissement depuis le début de ma prise de pilule. Alors non, c'est pas, ce n'est pas dû à la pilule, l'amaigrissement. Faut bien explorer ton amaigrissement. Faut voir ta glycémie, ta thyroïde, bien sûr, tes surrénales. Faut tout explorer. Je trouve les derniers recours à la pilule, mais non, la pilule, au contraire, elle va pas inhiber ta satiété, ou là, non. Voilà, très bien. J'avais un polype, ok, endocervical, je l'ai enlevé, c'était bénin. Est-ce que je peux tomber enceinte? Oui, ça. Le polype, c'est rien du tout, c'est juste une hypertrophie. Tu vas tomber enceinte le plus normalement du monde. Mais pardon, on est en même temps parce que je viens d'arriver. Alors, est-ce qu'on risque rien quand on reprend le sport sans avoir fait la rééducation? Apparemment, tu as la question. Même les monarques, vous pouvez reprendre le sport en même temps que la rééducation du périnée. La rééducation du périnée, c'est tellement facile. Mais tu as une séance tu peux la faire même quand tu es filaire, quand tu es petit, quand tu es. C'est ça, tu contractes les muscles de en quelques secondes, tu relâches. Voilà. C'est ça la rééducation. Le périnée. Ok, est-ce qu'on peut prendre la vitamine D en poule pendant la grossesse et combien de fois? Oui, alors c'est 2 fois pendant la grossesse. Tu auras en général 4e et 6e mois, plutôt 5e et 6e mois. Mais il y a un personnellement, je dose la vitamine D. Et je supplémente calcium vitamine D, mais la vitamine D en ampoule, elle n'est pas systématique pour moi. Parce que on est un pays où il fait toujours bon. En général, on n'a pas de carence en vitamine D. Donc, exposez-vous, comme la courte, et mangez bien. Gratuit. Oula. Alors, Wahda, Wahda, non, Gatlik. pardon, est-ce que le stérile et le sport sont compatibles? Alors, tu peux faire du sport en ayant un stérilet, mais je te déconseille les sauts, tout ce qui fait tous les gestes où il saute ou quand même, il faut les éviter. Voilà. Oui. Même faut pas porter beaucoup de poids. C'est ça. Il faut faire de l'exercice soft. Après 4 césariennes, le stérilet est impossible? C'est-à-dire, est-ce qu'il est Non, non, impossible? il n'est pas impossible. Alors, il n'est pas indiqué. Donc, il n'est pas impossible. Alors, récemment, j'ai placé un stérilet sur un quadricicatriciel sans problème. Il n'est pas impossible. Tu peux délai ton stérilet. Faut surveiller. Voilà. OK. Donc là, c'était ça les questions. T'as le pôle. C'est bon, je vais aller ouvrir la page Facebook pour voir les questions de Facebook, le groupe, mais en même temps, on peut prendre des questions. Can you open it, Alors, concernant le DU, dispositif intra-utérin, les hoa, le stérilet, lequel on pose en première intention, celui en cuivre ou bien hormonal? Alors, 70% c'est le cuivré. Personnellement, je pose le cuivré. d'accord. Surtout, surtout pour, surtout, surtout chez la diabétique, la femme diabétique. S'il y a des femmes diabétiques, il y en a parmi nous, le moyen de contraception, l'Oulane et Kamel, c'est le dispositif intra-utérin cuivré. Bien sûr, quand la femme n'a pas de contre-indication au stérilet cuivré, c'est-à-dire infection à répétition, infection génitale haute, les infections, mais Ouais. la diabétique, l'idéal, c'est le stérilet. D'accord. Wahda, comment on peut savoir si on est ménopausé lorsqu'on a un stérilet? Elle, quand on met le stérilet, on n'a plus ses règles. Non, mais Michel, il y a des femmes, elles saignent beaucoup avec le stérilet. Aucune des femmes, oui, elles ont plus ces règles. C'est chaque corps qui fait, Shmarim. Mais pour la ménopause, quand
إذا عندك 50 ans خلاص tu n'as plus besoin de stériliser. Il faut enlever stériliser tac ou utiliser des moyens mécaniques ou entre-temps et tu vas voir tes règles qui changeront. Voilà, d'accord. Bon, allez, quoi, t'as une question, je pense que c'est logique. Je peux même là, je peux répondre à ça. J'ai 46 ans et j'ai arrêté la pilule. Est-ce qu'il y a un risque de ou bien est-ce que je dois faire à part le stérilet? C'est-à-dire, bon, si elle n'est pas ménopausée, donc elle peut bien sûr tomber enceinte, Bien sûr, forcément. facilement, Même à... facilement. Voilà. Donc, bien sûr, il faut encore surveiller ou prendre. Sûr. Alors, je souffre d'une scoliose. Quels sont les risques possibles lors de la grossesse et l'accouchement? Alors, déjà pour la scoliose, si on va te faire une péridurale, une rachie, faut déclarer parce qu'ils auront du mal parfois à trouver l'espace péridural ou là. Donc, c'est ça, l'inconvénient. En plus, la position gynécologique, parfois la femme, elle a mal. Pour les bassins, il y a des bassins qui ne sont pas perméables parce que la femme, elle a une scoliose ou une kyphose. Donc, il faut une pelvimétrie. Ouais. Donc, faut bien examiner le bassin. Bon, fait français, ils font les pelvimétries scanner. Même ils le font, mais rarement. Donc, voilà, il faut un examen clinique minutieux, un examen du bassin pour voir si la voie bassine est acceptée ou non. Parfois, on est obligé de césariser quand il y a un problème au niveau du bassin ou au niveau du rachis. Donc, à moment. Bien sûr, pour D'accord. l'anesthésie. Les mâles, ben, c'est quoi la scoliose, les bnat, c'est. العمود الفقري كيكون مهوج شغل حلزوني فوالا Voilà, c'est ça. C'est ça. Après, وحدة قالت لك سبور et vaginisme. alors le vaginisme c'est un gros problème malheureusement que ce soit en Algérie ou là ailleurs il faut une prise en charge multidisciplinaire voire un sexologue un psychiatre ou là, un psychologue voilà. Le sexologue il les dilatations du vagin. Les vaginisme, c'est ils se contractent lors d'un rapport, lors d'un simple. Et c'est vraiment pénible pour la femme. Mais le sport, il va vraiment t'aider. Voilà, chez le sport, l'entraînement, il est un bien fou, il n'est le stress. Il faut faire du sport. Étendue, je pense. Oui, Et oui. si je pense que tu vas moralement, tu te sens forte et Oui. développe une résistance aussi. Donc, à mon avis, ça aide aussi, forcément. Mais après, c'est très, très. Enfin, mais c'est grave. Si la personne est vraiment touchée par ça, elle doit peut-être faire des séances chez un psychologue ou là pour. Je reviens une minute. Maman, 2 minutes. Moi, j'ai pris un kilo avec la pilule. Bon, si j'arrive à répondre, je réponds sinon le scénario. Donc, j'ai eu 3 grossesses, mais je reprenais facilement mon poids d'avant. Moi, j'ai pris. Ok, Hadi que j'ai pris 20 kilos avec la pilule et j'arrive pas à les enlever, sachant que j'ai eu 3 grossesses. Mais je reprenais facilement mon poids. Oui, on reprend facilement son poids après la première, bah de la deuxième, un peu moins, parce qu'à chaque fois, zidon lâchiou chouïa, à chaque fois, rohna un peu plus. Donc après 3 grossesses, on se lâche de plus en plus. Mais sachez que ma kèche, impossible. Bien sûr, je peux reprendre mon poids. Je fais un rééquilibrage alimentaire, donc je mange nakol parce que le corps taï n'atay lo ktar mlo chi yeshaq, donc forcément une semaine ou hna aussi à de la grossesse on a tendance à natalqo, donc nous la sédentarité ma kan li bouger avec le bébé djibou lek rdaï aoudi yhatou lek, surtout hna f dzaïr on est trop assisté gaa nas dairin bik hada yjib hada ynhi lek touli gaa ma tbougish, donc bien sûr rek daout manger takli forcément une semaine. On se lâche, nous talquons, nous ne mandirouche l'exercice. Donc, bien sûr, Mariam, allô, Mariam, qu'est-ce Anisma, fik, dis-moi seulement. Alors, elle a posé une question qui est importante. Une hypertension artérielle, apparemment, sous traitement. Elle était sous contraception ou là, elle cherche la contraception. Alors, pour savoir, il y a une tension.
hypertension artérielle, qui maintenant a L'attention. l'attention. La pilule, c'est une contre-indication à la pilule œstroprogestative. Œstroprogestative, l'œstradiol, c'est une contre-indication formelle. L'attention, jamais, jamais, tu as la pilule. Même nous, elle est Ou tu as fait place la pilule. T'as une contraception progestative. Il y a réel progestérone. Bon, il y a l'idéal. Il y a stérilé ou là. Bon, vous avez trouvé le canal du chez tout. Je préfère un stérilé ou là les méthodes barrières ou là la méthode du retrait. Elle sera pas obligée de t'achoter quelqu'un le progestatif. Il y a la contraception hormonale. Il y a une contraception hormonale. À qui tu m'aimerais? D'accord, oui. La contraception hormonale, c'est les progestatifs. Alors, une pilule progestative ou là, un implant au lévonorgestrel. C'est l'implant nicolonadromique, ou là même un stérilé au lévonorgestrel, le Mirena. Donc, soit une pilule progestative pure, tchurba, ou Ouais. là un implant, ou là un stérilé kif-kif à base de progestatif. Ils sont indiqués en première intention chez les femmes hypertendues. Donc, contre-indication formelle aux pilules œstro-progestatives. D'accord, mais normalement elle est belle, hein, parce que le gynécologue مريم ما قول لك عن بالها من بلاش انا انسان نعرفهم انا جاوني وتلاقيت معهم باغازا عندهم لاطونسيون تروح تشري تقعد مع راجلها يشري لها بيلول ما عند فارماسيان ما يحوش كي يفهم ومن بعد سو تروف افيك اون امبولي افيك راه لا يشوفك صح, c'est vrai, j'imagine. faut être vigilant. Oui, l'accumulation des graisses autour de la zone où il y a les ovaires, est-ce que ça part avec le sport ou c'est un problème hormonal? Alors, j'imagine que parce que Ken Bzef, il dit qu'avec le petit ventre, je crois que le ventre, il ne faut pas. C'est ça, Bella, qu'elle veut dire ça. Bon, انا كي تكون عندك تكون غير تماك من نفخه جون دوت كسا سوا هرمونال باسكو سي سا سوا هرمونال سي سوا اون اوبيزيتي جينويد سوا اون اوبيزيتي اندرويد ماشي هكا مي Oui. تماك من نمنا سي دي بورلي كما يقولوا Voilà. Donc forcément, avec le sport et le régime, وي il n'y a pas de... Ok. Oui, après les fuites urinaires durant l'activité sportive. Ça, malheureusement, a de l'émédérouche, la rééducation. Exactement. Les fuites, ça va le problème, parce que... Donc, Exactement. voilà. Et malheureusement... Surtout les femmes qui ont accouché par surtout les Voit femmes pas qui ont accouché ou surtout par forceps, Marie. aussi, oui, parce que césarienne, j'ai accouché 3 fois par césarienne, j'ai pas fait la rééducation, sauf la première fois, essayé, donc je suis passée par le travail et tout, donc il m'a prescrit les séances de rééducation, mais après les autres, c'est pas la peine parce que c'était directement césarienne. En général, quand on pousse, donc les contractions et tout ça, c'est là où il y a le périnée, donc il faut faire la rééducation. C'est bien ça, إذا c'est ترجع بزاف مريم يقول لك كونتراسيبسيون اي كونسير هذه تسمعي بها تقول لك ما نشربش لا بيلول ديري الكونسير ouais. الوغ شوف دوكا كي الوقت اللي لحقنا ليه حنا لا بيلول اوسترو بروجيستاتيف سورتو ما نمدوهاش بوغ لي فام اللي عندهم ان انتيسيدون فاميلا زعما خالتها سورتو كوتي ماتيرنيل خالتها ولا يماها ولا تماك اون ايفيت ما نمدوش كامل Mais pour la femme qui a aucun antécédent, ni personnel, ni Ouais. familial, t'as sans problème. Il dit que la pilule augmente le facteur, la pilule augmente le risque de cancer du sein, du foie, Ouais. et du col. OK. Ou il dit qu'elle a un effet protecteur sur l'ovaire et l'endomètre. Elles réduisent le cancer enfin le risque du cancer de l'endomètre et de l'ovaire. Par quel mécanisme? Mais ce sont des études et des épidémiologues. Ouais, d'accord. Ok. Oui, un conseil, Bnet. Qui te rend un tabib, mais t'hashmouche. Il faut tout dire à tes les problèmes là entre vous. Mais si tu es comme un hadik, il faut lui dire. Il faut pas hésiter parce que c'est très important.
le diagnostic et surtout le traitement la hiatéhulkom. Donc c'est très important de dire les gens ont l'attention de goulot, les gens ont le problème de goulot, mais chirer atteigne au classe. Voilà, et lui, il peut pas savoir, il peut pas deviner. J'ai un stérilet hormonal à l'utérus. Est-il mauvais pour moi si je saute ou je fais des squats, par exemple? Les squats, ça m'étonnerait. Si tu sautes. Là, le squat, les squats, mais faut pas sauter. C'est ça. C'est ça. Non, faut pas sauter. Voilà. Surtout pas la corde et tout. Les escalades, de gagner un cash. Voilà, c'est ça. Bon, La question. parler, ok, syndrome de poly. Ok, on a dit qu'on allait parler le sujet à part, des rouleaux. Ok, alors fibrome, ok, un Fibre? peu volumineux, ok, traitement possible. Bon, allez, je veux faire un fibrome, utérine volumineux et traitement Si possible. il est volumineux, c'est un traitement chirurgical, Marim. Ok. Voilà, pas de traitement, pas de progestatif. S'il est volumineux, il est à enlever, qu'elle soit célibataire ou la mariée. Oui, il faut aller consulter, il faut pas prendre les Ouais. choses. Voilà. Donc, en gros, voilà. Sinon, les autres, on a répondu à les questions. Maintenant, on regarde s'il y a des questions ici. Nchouf, tu peux répondre, s'il te plaît. Alawash, t'es goulinami, donc, Nchouf. Miss Fitness, coach, fière de toi. Merci, LBV. S'il vous plaît, j'ai des soins dentaires avec radio, sachant que j'ai 23 ans. Ma femme, la relation bina ou bien le soin dentaire. Mais allez, je termine après. Voilà, l'implication n'est pas des règles. C'est normal. Je n'ai pas compris la question. L'implant, je n'ai pas les règles. C'est normal. L'implant, Belek, elle a placé un implant, elle n'a pas ses règles. Oui, on a souvent ça, Belek. Quand elle place l'implant, il y a un trouble du cycle. D'accord, ok. Mais il est efficace. Voilà. Là, Demi, ma question, la question de Hassim, elle est Audi Kitbiberg. Bonjour, je vais être contre. J'ai un cycle très long. Au début, 60 jours, j'avais des kystes, mais avec un traitement. J'aimerais avoir votre avis sur ce qui. Alors, le cycle très lent au début, jusqu'à 60 jours. Tu avais des kystes, bon, les kystes affaiblissent jamais, sauf si tu avais un. Si c'était un ovaire polykystique, il passe à la chronicité. Ok. Donc, mais pour le préabrim, papa, qu'est-ce que c'est? Papa, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est ma fille. Oui, vas-y. Alors, mais avec un traitement, sûrement ça attendra une pilule pour bloquer son cycle. Mais faut faire des bilans, faut bien explorer. Parce que si tu faisais des cycles de 60 jours, ça va revenir, je crois, un jour ou l'autre. Ok, le stérilet en cas de HPVC possible. Oui. Il est pas contre-indiqué. Donc c'est possible. Ok, merci. L'implant prise de poids. Après, chauffe-le. Vas-y, pardon. Oui, la prise de poids. La prise de poids, il faut, à mon avis, hein, il faut la gérer. Dès qu'une chauffe-le semaine, je fais quelque chose à ce moment-là, mais sinon je perds le fil et j'ai du mal à me prendre en charge. Après, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, après, je sais pas ce que tu veux dire, toi, Naya, par rapport à l'implant. Est-ce que forcément, derrière un implant. Là, mais si forcément, j'en ai un collègue. Non, déjà, l'implant, il contient un progestatif. En général, progestatif, mais c'est nous qui met les autres progestatifs. D'accord. Donc, surveille bien ton hygiène. L'implant, il se mène. Déjà, je semaine. Ouais. Après, j'avais une question ce matin, mais je voulais faire un live avec Zakaria aussi parce que Oui. lui, le diabète et la grossesse. Le Ah diabète. oui. Enfin, diabète et la grossesse, ou je stressé avec moi. Zakaria, pour diabète et grossesse, c'est pas lui. Une fois qu'il y a grossesse, tous les colis à la race. Non, c'est juste un sujet. Ah oui, il peut le faire, au contraire. Mais voilà, donc il faut
surveiller son alimentation pendant la grossesse. C'est très très important. Le bnat ma tihouch taklou parce qu'il goulou lkom rakou bel kerch taklou pour deux personnes tout le taklou et dos. Il faut faire très attention Oh, parce ma que cage, je m'en regarde cool pour deux personnes. facilement le diabète de grossesse. Voilà. Anna pour enfin pour moi je gère dès le départ. Nas rohi, machine tlaq rohi. Wahda elle m'a posé la question enfin sbah gatli. طلقت روحي pendant le confinement وديتها غير ماكلة ودركا راني كارها روحي واش ندير كيش باللي راح يجي النهار وتندمي وتبا دير واش ندير اس مومون لا علاش كون تو افي لا بوسيبيليتي دو نو با مونجي علاش واحد يبقى غير ياكل سان سو كونترولي جو سي با موا جو في اتونسيون طول لو طون النهار اللي نشوف روحي كليت اليوم بزاف زياده غدوه نعس ماشي غدوه نزيد ناكل اونكور بلوس اونكور بلوس ومن بعد اون سو لا سالي تو فوا ومن بعد نطيحو نلبسو في الجبب بلوس نلبسو حاجه عريضه نزيد نروحو معاها بيان سور باسكو ماشي من بعد النهار اللي تجيك خرجه ولا تروحي تخرجي اون غوب ولا سروال ولا يبقى اس مومون لا تبدا تشتكي ولا كيبداو لي بروبليم دو سونتي بيان سور باسكو ما نخموش في لا سونتي تاعنا حنايا لا بروميير دي شوز اون لي برك le sport, le poids, alors que non, le sport je le fais pour ma santé avant le poids parce que le poids نقدر نقصو غير بالريجيم نحبس الماكلة نقص الماكلة ننقص في le poids mais le sport c'est pour la santé pour éviter les maladies pour نشطو الدورة الدموية et مريم وحده قالت لنا بون هلا قالت لنا لا مسكولاسيون ايتيل دانجروز او بيان ديكونسيي بور اون فام انسانت افيك دي ميني شارج هلا لا لا هلا سي با ديكونسيي افيك دي ميني شارج ماشي تروحي ترفدي انت 20 كيلو مي افيك دي ميني شارج نو كونترير مي في اون باراليل او تشوز سي اون باراليل دو لا كارديو ولا كي مريم انت كي تو سوغ ميو ريبوند وي باردون باسكو صح سي بزاف سقساوني يقولوا لي درنا دي زيكزارسيس تاع لا غروسيس واش نديرو exercice spécifique, il y a des trucs à éviter, d'accord? À éviter, voilà. Protège, mettre dirige, d'accord? Les sports de contact, bien sûr, tu risques de te blesser. Après, les a la chance de la natation, de la natation, il y a pas mieux. Le marché, elle peut faire de la musculation aussi, hein? Tu peux faire des squats, tu peux faire et les étirements mleh bzaf aussi, et elle peut du faire yoga. Oui, un peu de musculation avec de petites charges. Bien sûr, 2-3 kilos. L'essentiel, c'est l'essoufflement. Tu vois, c'est l'essoufflement. Voilà, elle est essoufflée. Mais sinon, elle peut faire un peu de tout. Hein. Mais après, sur le dos aussi, tu ne peux pas travailler les abdos. Après 3 mois, ou l'être aussi. Donc, ça a évité. Mais sinon, on peut faire, en gros, on peut faire un peu tout. Il n'y a pas de problème. Après, oui, là, j'ai dit au sport pendant la grossesse, il faut aller doucement, bien sûr. Parce qu'en dehors de la grossesse, et encore, il faut aller doucement. Donc, pendant la grossesse aussi, il faut faire encore plus attention. Quitte le sport pendant la grossesse, je veux dire. Mais sinon, les moelles fines, avant, il n'y a pas de problème. Je n'ai plus de. Oh. Coucou, docteur, je n'ai pas fait de consultation. Une femme, tu chabes trop. Bonjour. Bonjour, je n'ai plus. Ok, des règles. J'ai une maladie Hashimoto. Vas-y. Allô. Ah, oui. Alors, elle a pas son cycle ou avec elle a la maladie d'Hashimoto, d'accord. C'est ça. Alors quand on a la thyroïdie d'Hashimoto, on a soit une hyperthyroïdie ou là une hypothyroïdie. Donc il faut voir d'abord avec ton endocrino pour réguler ta thyroïde. Voilà. Alors, une fois que ton problème thyroïdien sera réglé, ton cycle sera automatiquement rétabli. Voilà. Adia, s'il vous plaît, coach, quand est-ce que vous allez nous faire un dire cool les lives? Cette semaine, j'ai fait tous les jours. Demain aussi, Inch'Allah. Donc, demain aussi, après, le week-end, perte sanguine avec stérilet, c'est normal. La semaine, je suis sanguine. Ah, oui. كنت هذه باك باسكو دائما تفكر نموت بالضحك واحد واحد راح واحد واحد راه الغاستورون ياكل كي جا عنده لو اسمو لو شيف ولا لو سيرفور قال له بون حب ستيك قال له كيفاش تحب لا فيون تاعك كيفاش تحبها طايبه شتي هنا يقول لك يا بيان ا بوين قال له نحبها سانغين دونك كون جي فو دي سانغين سا ما تخو في رير. Alors, sport, bonsoir docteur, bonsoir docteur. Traitement homéopathique pour éliminer, hop,
Les... Les... Au sein. Voilà, homéopathique, ma chérie, c'est pas ma spécialité. Homéopathique, impossible d'avoir tout ce qui est de l'homéopathie, khatayni. Je me suis Google un truc spécialiste en homéopathie. D'accord. Alors j'ai le SOPK. Après, sauf si tu veux intervenir, j'ai pris le traitement. Attends, j'ai le SOPK, j'ai pris le traitement du chlomide pendant 5 mois et j'ai pas pu tomber enceinte. Des conseils, s'il vous plaît. Alors, le chlomide, on fait des cures de 6 mois déjà, mais j'ai 3, mais j'ai 5 mois. 6 mois où l'effet du chlomide, il y a 3 mois après la prise du chlomide. Donc, mais elle, pour parler d'un échec. Première chose. Deuxième chose, est-ce que côté tibbi, les follicules t'as sous chlomide? Parce que, même si tu mets du chlomide, tu as dit que tu as dit que alors, ما بيد حنا نمدنا من الكلوميد باش نتبعوا البويضات باش البويضات تكبر. اون فوا كي البويضات تكبر تلحق 19 20 ملم نعطوا لها ديك الابره المفجره يعيطوا لها فوالا. مي il faut un monitoring كحب يقول un comptage folliculaire. لازم جينيكو تاعك تحسب لك لي فوليكول ماشي تمد لك كلوميد وتخليك في لا ناتور. ما تقدري ديري ان سيندروم ديبرستيمولاسيون اوفاريان تاع الشبع تشرفي في حاله وحده اخرى سي اورجونس فيتال تماك. مي ما تقلقيش. D'accord. Métrorragie chez une jeune femme, BHCG négative. On a Mais éliminé c'est bien négatif. les lacs, c'est ça. On fera quoi? Alors, mais on a qui travaille fait amener bêta ACG métro bien ça fait amener. Alors, pour les métro Gatek chez ragi jeune femme. Donc, ben, la Kangoulou, 20 ans, 22 ans. je bon, ma bite est trop le bêta ACG maintenant, je jeune femme. Alors, reposez bien la question, s'il vous plaît. Bêta ACG, c'est un test de grossesse. Bref, c'est un test sanguin de grossesse. Maintenant, il y a des métrorragies, ben, vous avez pensé à une grossesse extra-utérine. Vous avez éliminé l'urgence qui est grossesse extra-utérine, métrorragie douleur. Mais, ne me ferme, si elle saigne, ben, elle a son cycle, tout simplement. Reposez bien la question parce que la question, elle est vraiment mal posée. Bon, le sport, j'ai décidé de me remettre au sport. Ouais, j'ai fait un mois, puis j'ai arrêté pendant le confinement. Et oui, écoutez, on a un traitement pendant le confinement. Et là, je me suis dit que je dois reprendre de zéro à zéro. Je dois reprendre, mais à chaque fois, je reporte. Et il faut pas trop réfléchir, ma chérie. Il faut se lever, je sais pas, à tout moment. Là, par exemple, je me lève, je vais faire quelques abdos. Tu vois, Sbahtnodé, allez, je me décide, j'y vais. Mais après, demain, Badbelakradoua, je commence. Il faut que ça soit comme ça. Il faut trancher tout de suite ou non. Il faut pas trop réfléchir. Voilà. Un poil au niveau du menton, il repousse. Bon, déjà, un seul poil, il à ce point, mais je à ce point, premièrement. Deuxièmement, ma quelle est touche tu fais gynécologue à un poil, parce qu'un seul poil, ce n'est pas un trouble hormonal. Trouble hormonal, c'est complètement un ursitisme. Tu connais, le poil, je avec une séance de laser, tout simplement. Non. Peut-on prendre la pilule si on a un problème de thyroïde? Problème, ça dépend quel problème de thyroïde. Si il y a une hyperthyroïdie mal réglée ou une hypothyroïdie, là, il y a des contre-indications. Mais ça dépend quel problème. Quel problème. Il y a des hypothyroïdies, des hyperthyroïdies qui te connaissent stable, tu peux prendre la pilule sans problème. Mais quand tu n'es pas stable, non. Voilà. Après, comment savoir si mon cycle est irrégulier? Bon, c'est clair, Hadiba. Je reçois beaucoup cette question, ils battent les dates. Encore, je ne sais pas si je vais faire un jour, je ne sais pas si je vais faire 5 dates, mais je vais le premier, c'est simple, pour savoir la durée de votre cycle, le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle. Hasbi, من هذاك النهار اللي جاوك حتى النهار الاخر اللي عاودوا يجوك تو سامبلومون. فات ان سيكل فات ان شيما دو 3 موا 6 موا وبعد نشوفو سي لو سيكل اللي ريغولي. إذا en général, le cycle fait 28 jours, 28 à 30. Si tu fais des cycles de 36 jours, 40 jours, 45 jours, là, il est irrégulier. Mais d'ailleurs, quand tu as des cycles de 32 jours, c'est un cycle lent, régulier. 32, 32, 32, normal. Voilà. Hi, une question à Jbetney. Conseillez-vous le port de la ceinture après ou la gaine après l'accouchement? Je dis, on a dit, hazmi, hazmi, hazmi. Ah non, non, je ne la conseille pas.
Moi non plus, moi non plus. C'est le sport qui va te les muscles, tu vas les raudiser, mais après, je suis là, Non, la ceinture, non, non. Le docteur, vous êtes installé ou je ne suis pas installée pour l'instant, Inch'Allah. Peut-être un jour, je travaille à l'hôpital. Un jour, Inch'Allah, je ferai mon cabinet, pourquoi pas. voilà, oui, bah oui, pourquoi pas, Inch'Allah. Est-ce que Mais je la ne suis pas installée. 3 plus, s'il vous Quand plaît. on a un OPK, alors quand on a un OPK, de la question des reins, quand on a un OPK et on est poilu, est-ce que l'épilation laser sera efficace? Bon, petite parenthèse. Bon, je suis OPK, je suis poilu. Les poils, alors que les poils, même les femmes qui ne sont pas OPK, donc elles sont poilues. Mais femme, est-ce que tu fous les pubs Instagram, les tu vois avec les corps, les femmes aucun poil. Une femme sur trois, elle est poilue. Elle a des poils au niveau du ventre. Mais ne faites pas de ça une fixation. Tu vois, Il y a laser. Oui, le laser, il agit. Il agit. Bien sûr, tu vas prendre un traitement entre-temps. Mais je t'avoue, l'OPK, quand tu dis OPK, il faut la fertilité. Oui, j'ai fait un petit article dans le magazine Maman Diri. Bon, tu peux le publier. Ben, une petite parenthèse à l'OPK. Elle m'avait contacté dans un magazine. Voilà, concernant l'OPK. J'avais révisé parce que bon, je suis tous les jours, je suis avec les OPK. On en a un. Personnellement, je suis OPK. Je suis une grande OPK avec un cycle irrégulier, avec un bilan hormonal perturbé. Mais alhamdoulilah, les carrières ont 17 ans, on a un bel, mais c'est pas un drame, Yannès. Trop l'OPK, classe. L'aqim, quel mazou, j'ai avec un jour avec l'aqim, les messages taïens, mriem, n'tsadef. Allah, وحنايا بعيد شر العاقم. علاه العاقم؟ علاه؟ مي نو. نأمنوا بزاف بصوالح باسكو ما نقراوش تو فوا ما من اوني با اوفيرت لا كريتيك وما خدمش راسي تو فوا لا لوجيك الملك بكري بكري ما يعرفوش من اللي عندهم اوبيكا. كان تلقايت نسا يجوهم لي غير خطره في الجهر، وبعد تجيب ولد ولا طفله ولا تجيب ثلاثه، مع بالها هي اوبيكا. الله الله، بصح ماشي مال في با دو سان. ليش اوبيكا العاقم؟ يو على بعيد الشر. لا اوبيكا، قول شوفي قبل البوا تاعك شحال راهو، ضلي تاكلي وراق داو كامل، تو با اتونسيون بيان سور، تو فا ديفينيغ اوبيكا، ميم سي تو ني با، تو فا ديفينيغ اوبيكا. Voilà. C'est quoi OPK? C'est le syndrome des ovaires polykystiques, les doukab, et aïtour barbiya, tekeyos le mabaïd. Voilà. Parce que, 70% des questions, c'est bien bien, c'est OPK. Je te connais un belk. Allez, chauffe, لازم نديرو لايف على هاد ال Quelle alimentation? L'alimentation, les conserves. Tout comme ils vont favoriser le stress, l'hygiène de vie. هذا واش نسيني نساهم فهم فيهم كلو دي زاليمون ناتورال ما تحوسوش على الصوالح لي كونسيرف بزاف لي تشروهم لي بلا بريباري تو سا كاع واش تشرو فيهم دي برودوي كيميك اجوتي علاش انا نخلي الخضره في الدار بيان تاع المارشي بلوتو نطيب حاجه هكا لقمه بنينه شابه تو فوا اي سان هذه ما السن مام مالغري طيبتها بالزيت وفيها شويه لحم فيها شويه شحم سا بي با دير سي با هيلثي سي جوست دي زاليمون ناتورال اللي فيهم فايده لو كور وما يضروكمش ما يواسيكمش يفو كوز با هاد لي بروبليم. شوفي واحد الميساج سنين نقراه هذه نينيس سيسا ربي يحفظك على لو ميساج قالت لك والله انا نخدم الشغل ونطيب ونغسل الحوايج حتى الخبز نطيبه في الدار وهكذاك ما نعجزش ونعمل رياضه لازم الاراده فوالا خمو في صحتكم الله يعطيك ما تتمنى يا اختي هذه هي اللي نظلوا نعيطوا عليها كل يوم كل يوم فوالا باسكو ما كاش منها ما نقدرش ولا جي با لو طون كاين بزاف اللي شغل غير بداو يخرجوا دوكا دي كونفيني شويه انا بديت لاشي يقولوا لي بديت لاشي جي با لو طون علاش با لو طون بحسب كاع هذاك الوقت اللي كنتي قاعده في الدار ما خممتيش في صحتك ما بديتي ديري سبور بديتي تبوجي ما حسيتيش روحك خير ما حسيتيش المورال تاعك خير ما تو نا با لو ديكليك هكا تخمي شويه في صحتك ولا هذاك الجري كاع وين راح يوصلك اي فرانشمون يا با ديكسكيوز ما لا يعطيك الصحه. Une autre question, bon, on un peu plus haut. Est-ce que diastasis
يجي برك في الغروسيس، اسكو وحده باغ اكزومبل اوبيز ومن بعد تشيان، اسكو يجي ولا ما يجي؟ اسكو يا هاد En général, là, en général, mais je sais, bizarre, mais... parce que pour avoir un diastasis, il faut vraiment avec antécédent de chirurgie pelvienne ou abdominale. Mais pour avoir carrément un diastasis, mais je n'ai pas vu, mais je n'ai pas vu avec une femme qui a maigri ou là, Et quand tu m'as qui l'a expliqué eu. ça arrive qui parce que d'achlo t'la prochna kab yedi comme tout les médecins donc voilà pourquoi ouais j'ai des miettes fait de la selle ah des kia alors bonjour merci pour votre présence pour commencer j'ai arrêté mon traitement prescrit par mon ok endocrino pour un déséquilibre surrénal et j'ai du Oui. mal à du poids. Y a-t-il une... Là déjà, vu qu'elle avait un déséquilibre au niveau de la surrénale, surtout de la cortico-surrénale, le cortisol, la mesquina, elle va avoir un peu mal, mais faut pas perdre espoir. Au contraire, même la surrénale bien réglée, tu peux perdre du poids, progressivement. Ça sera un peu lent qu'une femme qui ne fait pas de sport, mais ça va venir. Mais après, il faut faire, je pense, un peu plus de sport. Hagda, tu vois, quand tu muscles un peu ton corps, le muscle, tu vois, une fois on a une masse musculaire, le muscle, il est bzaf, la graisse. Donc, on perd plus qu'une personne, les mandawel ou zéro muscle, le corps. Donc, il faut que ça remet de patience. Tu vois, machine, dire un objectif, lazim dire sport, bach nichien, un mois, bah, du la maken walo, khlas, je lâche. Non, fais-le pour ta santé d'abord. الله أكبر مريم، حنا نسكنوا غير قدام الجامع. الحق. مريم وحدة قالت لنا جو روبوز لا كيستيون بور لا ترويزيام فوا، سمحي لنا ما سمعناهاش. أبارامون ألا في اون أبنديسيت، فان اون أبنديسيكتومي، نحت الأبنديس تاعها 8 mois après la césarienne. قالت لي est-ce que صح les trompes ils vont se boucher. وعلاش عندك هذه الليدي في راسك ديجا les trompes ils vont se boucher؟ علاش ديجا تا يو ان انفون لاباس عليك دوكا كي درتي لابانديسيت ils vont se boucher؟ حبابكم ما تامنوش واش يقولوا لكم، Voilà. شدي يغنوا لكم غنيه لابانديسيت، عبالك سي سا لو درام. دوكا اللي تغني لها غنيه في ودنها خلاص تقولي قالوا لي. نقولها شكون قال لك؟ قالت لك طبيبه، قال لك ان سبيسياليست، قال لك يرحم بابك. نو لا لا، درتي لابانديسيت سي با اوبليجي كو تو فا افوار تاع لا سوقات ولا لا لا. وي انا على بالك بلا نايفتي تاع الناس شوف قدر تطبعي لهم كلش سي بور سا سي بور سا تدخل لهم تحبي تبيع لهم الراج على بالك تبيع لهم الراج مريم دوكا واش راهو يصرا؟ ما كيش تشوفي حنا دوكا المعيشه كاع ولات انستغرام، يطبعوا لهم كلش في انستغرام. حبابك انا يا باغ اكزومبل ها 40 سنه باينه بليك راني دايره ان فيلتر لا لا، ما كيش دايره في تخمر، ما كيش شبخ موس عليك مداري. نقول لك شمن فوندو تاع ديري، خلينا بصح تقول لي عندك لابو تاع بيبي تعال. ما تخلوش الناس كلها يا البنات اقراو 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 هذا هو السلاح تاعكم لازم تتعلموا تقراو داكوغ تعلموا تقراو ايه ميم لا 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 مريم، رومارك ميم كي يقراو ماشي يروحوا يطابوا في جوجل لو موندغ سيمبتوم، يكتب لهم كونسير باسكو هذا مرض جوجل تاني، ولا فو سافوار منين تقراو. ما تقراوش وسي في لي فوروم وسي يروحوا يكتبوا سيمبتوم يخرجوا لهم كونسير. يرحم بابا، فاش حبيتي الناس ما يمرضوش؟ بيان سور تجيهم لونكسيتي ويجيهم كلش. وي malheureusement ok une infection du sein ou un pour femme un peu âgée 60 ans comment ça peut arriver et comment l'éloigner le merci cordial la question infection. Alors, très Mariam. دقيقة Vas-y, pardon. اوكي تسمعي. الوغ وحدة واسمها جهاد جوا جو جو عيدية، الوغ جهاد جو عيدية بخيار دو كيتي لو لايف ياك.
prière de quitter le live. Merci Naï. J'ai pas pu continuer le live. C'est quoi cette façon? Ouh là là, je suis médecin. Tu es médecin, Allah yberk. Waouh, le quand tu fais le cabinet, je te jure, personne ne m'a dit. Moi, je ne sais pas quoi dire dans le cabinet, alhamdoulillah. Yak. Moi, je ne sais pas faire que je ne sais pas. Mais c'est la vérité. Qui a dit qu'ils mettent sur Google? انا عم بالي عليه باسكو جو روسوا بوكو دو كيسيون الناس مساكن مرضوا من جوجل ياك اللي يهضروا لهم في ودنهم الناس مرضوا اون فوا تقولها هاد لا فام تقولها خلاص لازم ندلكك باش ترفدي يامنوا كلش انا جو ريبون كوم جو فو ياك افيك تو لو ريسبي كو جو دوا او زابوني ما تجيش انت تقولي لي تعيي صح تو كيت لو لايف ولا تبلوكيها مريم Alors, كنت live مع مريم و ça s'est coupé من عندها donc je vais essayer. Et Ça va voilà. Mريم? Salut. Appétit, ma chérie. Et on fait la deuxième partie chez toi. Oui, je t'entends. Hey, j'avais un problème de rejoindre ton live. Bon, il vient de se rejoindre à nous. On a fait live avec Mriem où ça s'est coupé. Enfin, on parlait de généralité, tout ce qui est sport aussi. Voilà. Voilà. En général. J'allais répondre sur une question, plusieurs fois, mais on n'a pas pu répondre, Mariam. Parlez-nous du frottis en général. D'accord. Bon, pour résumer, pour faire vite, le frottis, on doit le faire chez chaque femme qui a eu des rapports sexuels, surtout une femme qui est âgée. Terme 25 ans. Bon, بالعربية, جميع مرأة كان عندها علاقة ولا مرأة مزوجة لازم لها ان فروتي. علاش في الفروتي واش يشوفوا؟ يحوسوا على اون انفيكسيون كي سيكسوالمون ترانسميسيبل. كي شغل العدوى تاعها هاد الانفيكسيون تنتقل العلاقات الجنسية العلاقات فوالا الجنسية. دونك وهاد الاش بي في يقدر بعيد شهر يدير على لونغ ان كونسار دو كول بيان سور ماشي كامل الاش بي في كاين اللي يروح كاين اللي يفو بالفروتي اون فا ديتيكتي لي ليزيون بري كونسيروز بور بوفوار تريتي الاش بي في اي بوفوار تريتي سي ليزيون قبل ما يولو كونسير ولا ماشي معناتها اللي تلقى الاش بي في حيولي كونسير نو كاين دو الاش بي في كي ني با اونكوجين كاين دو الHPV اللي يكونوا اونكوجين اون جينيرال سي دو 16 اي دو 18 كاين دي تيست دHPV ان توكا توت فام كي ماريي سورتو فام ماريي لازم دير فروتي فام ماريي ميم اون فام كي ا دي رابور سيكسويل باسكو كاين بزاف عندي بزاف لي دي زامي كي سون فرونسي ولا فوالا مش لحق لهم المعلومة Bon, là, il y a ici de façon obligatoire. Chacun doit faire le frottis. Enfin, chaque année, mais certains ils sont perdus de vue, Tanimri. Ah oui, bien sûr. Mais après, la première visite le gynéco, je suis tous les ans à le gynéco. Mais la première des choses, le frottis. Est-ce que sur la période des règles, on peut perdre du poids en plus? Qui fait chadi? Ah bah ça, Ou allez spécialement sur la période des règles, tu vas perdre du poids là, là. pas du tout. Au contraire, des gens se retrouvent à manger plus, hein. On a plus d'envie, je Oui. crois, presque pendant En ce... plus, en général, en plus, le métabolisme en général, il se ralentit. La femme te connaît, non? Donc, Voilà. mais si même, ça n'a rien à voir. Voilà. J'ai mis mon stérilet depuis 4 mois, mais à chaque fois, j'ai 14 jours de règles. C'est normal? Est-ce que c'est... Faut faire 14 jours de règles. C'est énorme. Faut refaire l'écho de contrôle. Si vous continuez à saigner, hein. À quoi bon? Tu veux avoir une anémie ou un terrible saignement? Voilà. Est-ce que le laser et la pilule provoquent la stérilité, s'il vous plaît, docteur? Tu as répondu tout à l'heure à la... Est-ce que Le la laser, pilule? le laser et la pilule. Est-ce que le laser et la pilule? Bon, on connaît déjà le laser il y a longtemps. Le laser, bon, le laser, la dépilation, il dépasse pas les 4 cm tel le derme. Donc, les rayons, enfin, le, les puces, donc le chien
Je vais. ربي يا ربي باش يقولهم. ان توكا ما يلحقوش لي زوفير. دونك لو لازر تقدر ديريه سا نا غيان افوار افيك il n'aura pas d'impact sur ta fertilité. Pour la pilule, alors pour la pilule, يقول لك la pilule بكري كان يقول لك لا ما تشربيش لا بيلول دير العقيم. لا بيلول ما ديرش العقيم، نحوها كاريمون من راسكم. لا بيلول عند امراه اللي تكون ربي كاتب لها elle n'aura pas d'enfant, elle peut masquer l'infertilité. Elle masque, parce qu'au lieu de que la femme, elle va tester sa fertilité avant, la pilule, elle masque son infertilité. Mais la pilule n'induit pas une infertilité. La pilule t'habsira. Si tu as qui a yimchi, mais ou machi, maintenant, tu as t'habsira la pilule, un char, li même bête, refdina, plaqal, parfois, le cycle, tu as qui, enfin, l'axe hypothalamo hypophyse, il va mettre 3 à 6 mois pour se remettre au boulot, il est un peu feignant, pas d'achlas, surtout pour celles qui ont pris 6 ans, 7 ans, 10 ans de pilule. On a fait 10 ans de pilule après deux enfants, là, ils sont troisième, là, ça allait. Même pour les nullipares, même les. Alors, ici, je dis, ils datent, ils ont des contre-indications, des contre-indications, je crois, les contre-indications, même nous, à la pilule, ils ont Ouais. des contre-indications. Oui. Ok. Expliquez, madame. Non, non, j'allais parler faire du sujet, mais en même temps, c'est une question. Donc, je trale tout le chiot de faire la CM, on va dire. Alors, j'ai une descente d'organes, je ne veux pas d'opération car c'est un peu handicapant. Je ne peux plus faire de sport, fitness surtout. Alors, si tu as une descente d'organes, la descente d'organes, c'est les prolapsus. En général, les femmes qui ont des descentes d'organes, maintenant, l'utérus ou là parfois la vessie tu connais à la barre au camel, faut s'adifier de la descente d'organes. Si c'est un prolapsus stade 3, il est à opérer, mettre liche à quelque madame. Au contraire, c'est une opération d'Eriha, mettre 2 jours après ou t'enneille ton handicap, il va disparaître. Ça va te Oui, en frayer. plus ça marche super bien les cures de prolapsus, c'est tout. D'accord. Hadigatek ovarien, taille de 7 cm avec grossesse de 7 semaines. Est-ce que qu'il y a un risque d'avortement? Ouf, non, Marie, ma femme, tu m'as l'eau. Maniche, t'en parles à la question. Ouf, non, 7 cm, Léandra. Qu'est-ce? Ovarien. Un Gatlek, question varien de 7 cm. 7 cm, Ah, voilà. tu vas pas le toucher là, Bachelor. Il va pas induire une fausse couche, Bachelor, là. Mais tu vas pas le toucher, Inch'Allah, bien sûr. Si ce sera pas en torsion, là, déjà, sûrement, quand la grossesse, il y a l'idéal, la kyste. Mais s'il est organique, après la grossesse, Inch'Allah, on va vérifier. Hadi, j'ai une radio dentaire, sachant que je suis enceinte. Anaya, les soins dentaires, guéhabsou pendant la grossesse. Donc, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que je fonce ou la noire? Ah, Anda, les dents. Un problème dentaire. Oui, Anda a une radio à faire. Elle doit faire une radio ou Rahi enceinte. Madame, pas de radio. Voilà. Oui. Ça peut attendre. Les soins pendant la grossesse. Voilà. Alors, le stérilet après le premier bébé, c'est vrai qu'il est déconseillé. Il n'est pas déconseillé du tout, au contraire. Allez, il est déconseillé. Tu peux le faire. Si tu n'as pas de contre-indication, stérilet, bien sûr. Hein. Mais après un premier bébé, il y a même des infections, il y a même des problèmes d'argent. Tu peux les stériliser. Même au contraire, cher. Ouais. Alors, Hailik Wahda, bon, Hadena, je peux répondre normalement. Maintenant. Et j'ai beaucoup de cellulite au niveau des jambes. Est-ce que c'est de là, yani le diabète? Chauffez, il faut savoir que la cellulite, c'est pas la graisse, l'inurdoha, mais les calories, l'inaklohum. La cellulite, déjà, c'est héréditaire, donc ça n'a rien à voir avec ça. C'est héréditaire et beaucoup de gens, beaucoup de femmes l'ont. Où la cellulite, c'est les cellules, le corps qui fabrique ça. Donc, ce n'est pas une graisse qu'on peut éliminer avec le sport, d'accord? Donc, même le sport, la cellulite, les crèmes, la cellulite, les machines, même avec une bonne hygiène de vie, sain, équilibré, ou le sport.
بون تنقص مي تبقى هذيك لا كوش تاع لا سيلوليت تبان شويه سي هيريديتير اي سي با دي كالوري كون فا بروليه افيك لو سبور ولا لو ريجيم سي سو كو جو فو دير دونك savoir si c'est de la cellulite ou là le gras ou là tu débarques le poids maladie le diabète c'est autre chose et puis oui étant diabétique on peut faire du sport aussi Alors, maintenant, les soins dentaires sont compatibles avec la grossesse. Pour les radios, il y a des tabliers de plomb. Elle a surtout une femme au premier et deuxième trimestre. Si elle peut éviter cela, elle a j'évite. Mais alors après, bien sûr, pour les soins dentaires, si elle a très mal au camion, ouais. elle fait son soin. Il y a des drogues qui sont contre-indiquées. Mais là, je crois que la science, elle a. Et à chaque fois, le dentiste, la première chose, il voulait, Oui, est-ce que tu en fait, oui. faire la radio? Donc, si je suis enceinte, il me le fait pas. Il me la fait pas, la radio. Donc, je pense que c'est contre-indiqué. Wallahu alam. Maintenant qu'il m'a goûté, ça change tout le temps, ça évolue. Ma question, c'est par rapport aux OPK. Allez, bon, kiff, kiff. On avait dit qu'on allait faire un live rien que pour ça. Et Alors, répondre à... c'est quoi le stérilet? Le stérilet, bon, l'arbi, mais c'est le dispositif intra-utérin. C'est un petit machin en cuivre ou là, en hormonal. On le place et on met la douche. موانع الحمل يا اخي كاين عندك لا بيلول كاين هذا ستيريلي و بون ابري كاين لوبيراسيون تاع لا ليغاتور مي فوالا يعني مانع من موانع الحمل هذا هو دونك تكون هي وحدها تعرف سي كوا بالعربيه لو ستيريلي Non, ابار لا Sarah, j'ai ma cousine et ma copine في le live. Ma cousine قالت لي خالتي تسالي عليك سالي عليها et ma جيجي préférée, docteur Amine Abdellaoui, ma meilleure amie. Dédicace. Ok. Hadi, une autre question. Mariam, s'il te plaît, est-ce que la période des règles, on peut perdre du poids plus? Eh, tu perds plus ou là, yani ktar, ou là, qal pendant les règles ou là. Déjà, les règles, c'est quoi? Une semaine, tu perds du poids. Quitte club, 1 kilo et encore, mais les règles ou l'autre chose. Hadi, ok. Alors, Next, s'il vous plaît. Bon, je sais. bonjour. Non, c'est Ah, ok. toujours déconseillé de faire, Hadi, sûrement, c'est les dentistes. Bon, s'il y a des dentistes parmi nous, elles peuvent nous aider. Par contre, le deuxième trimestre de la grossesse, c'est faisable pour les soins dentaires qu'il a. Ok, merci, dentiste. Chauffeur, Hadi Sabrina, elle a posé la question plusieurs fois. Parlez-nous de. Ok. Ok, parlez-nous sur Parlez-nous. le sein. Est-ce Sur. que épilation laser sous aisselle? C'est-à-dire un Ah, billet. ça s'est coupé, mais Parlez-nous sur le fibrome, sur les oui. fibromes. Eh, où je mets le fibrome? Est-ce qu'elle peut s'épiler les aisselles? Bien sûr, sans problème. Laser, hein? Même laser. Ok, voilà. À la base, le fibrome تاعك راهو في le sein كيما كتقولي. En plus, vu que tu sais que c'est un adénofibrome, donc c'est bénin, mais quand même, tu surveilles. Mais pour le laser, arrêtez de parler sur le laser. Il y a beaucoup d'effets néfastes. Il y a un article, j'ai fait beaucoup de recherches sur ça. مانيش مهبولة مانيش نقول لهم اللي يطلع نهار وانتم ديروا لازر فو فيغ ساكور هذا ما كان كاين كيما لي زيسيل جو سي با يفو 3 سيونس 4 سيونس ولا ابخي الي اليز ماشي ابخي سا دوفيان فيكساسيون ملي يطلع نهار وهي دير لازر 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 نو مي تتهنى اون فوا سورتو فان بور لي فام كي اون لوبيكا كي اون هيبر هيرشيوتيزم كاين مساكن يسون ديبريسيون. Je Ouais. préfère dire laser, toi, la dépression mesquine, elle reprend son cours de vie normal que de tâcher. Ou sinon, si, pour celles qui n'ont pas de problème, tu peux dire la cire normale. Voilà. شوفي قلت لك وحده بون باسكو قبيله حبس اللايف وكنتي حتى كنتي تهضري على الدليك الو قلت لها انا بيرسونيلمون قالت لك اسكو سي فري اللي كيعاون على الانجاب. انا ما نكذبش عليك، انا بيرسونيلمون سمحوا لي بالك اللي امنوا به انا ما نامنش به. بون شو معناتها ما نامنش بدوارب؟ انا نامن كاين حاجه نامن بهم، علاش؟ باسكو ديجا لي ميديكامون اي سون في اباز دو بلانت، دونك ouais نامن بدوارب.
كاين بزاف اللي نامن بهم، مي ديليك ان بارتيكولي ما نامنش به دون لا فيرتيليتي. بس تقول لك وحده عندها ان يوتيروس كي ريتروفيرسي، يقولوا لها و vous arrivez pas à avoir des enfants، alors que ça n'a rien à voir entre un utérus qui est rétroversé et le fait d'avoir des enfants. تقول لها ندلكك باش يعاود يرجع نورمال. Bon, il y a un effet placebo, psychiquement, la femme, elle va se sentir mieux, elle va pouvoir ovuler, et elle aura son enfant. Donc, je trouve qu'elle a un peu de l'écrit, mais je dis trop les gynéco. Et tu as un peu de l'écrit, Voilà, c'est psychique en grande partie, tu vois, c'est psychique qui m'a goûté. Oui. C'est l'effet placebo, elle dit. Il y a le stress à car la ou la même. Alors, j'ai une question. Amine Jaha, bonjour, j'ai une seule question. Qu'est-ce que c'est la burdistérone? Alors, Amine, tu as dit la burdistérone, mais tu as gaffe les lives, qu'il soit Julie, soit Sahbo, son meilleur ami, il se sur la burdistérone. Amine, Rabbi, il dit comme Khalon est tranquille. بيرديستيرون سي با اون نورمال مريم، ما تقوليش سي نورمال ولا سي مو خلقوه بيناتهم وهم يتمسخروا بيا وخلاص. داكور هاي خلاص حليها بيناتهم. قالت لك وحده جو في بروندر دو كلوميد بور تومبي انسانت، اسكو جو بو؟ هادي جو في لا، tu peux pas le prendre من راسك، لازم سي تاجين، لازم سي لا جينيكو كي لانديك. لو كلوميد سي ان اندكتور دوفيلاسيون، tu peux pas le prendre من راسك. دونك روحي عند لا جينيكو تاعك، ال فوا بيان لانديكاسيون، بالك تاخذيه وحدك، باسكو كاين بزاف اللي ياخذوا الكلوميد وحدهم باش يجيبوا التوام اللي معروفه. تلقى روحها فيك ان سيندروم ديبر ستيمولاسيون اوفاريان، تلقى روحها في حاله. Ouais. Chauffez, il y a des fois que je dis que avant les règles, je prends du poids et à la fin des règles, je perds du poids. Il y a des fois que tu prends pas du poids, non, parce que tu te fais chouïa, gâte, ça rana, il y a des fois que tu fais le bas du ventre, qui te fais chouïa ou te zayer pendant les règles. Il y a des gars, donc tu as l'impression de l'exécuter le poids. On va dire là, c'est vrai, il y a tous les fois que normal. Donc, c'est pas une prise de poids, non. N'est-ce pas? Alors, je suis diabétique, j'ai 57 ans et j'ai encore mes règles. Est-ce que normal? Ben, si vous avez un cycle régulier, parfois ça arrive. Mais si maintenant, à 57 ans, vous êtes sûrement ménopausée. Il y a des femmes qui sont ménopausées à 60 ans. Je connais une femme à 63 ans. Donc, ce n'est pas une règle. Une chance pour toi d'être... C'est une bonne chose. L'effet protecteur des oestrogènes, il est toujours là. Sauf si vous saignez pas pendant 10 mois ou là, après vous saignez. Là, il faut consulter. Il faut faire une écho pour voir l'endomètre et tout. Mais ouais. Si vous avez un cycle régulier, maliche. Voilà. Wahda قالت لك je prends donc la pilule هذه, c'est Razette et depuis 2 ans d'accouchement, j'ai remarqué que j'ai perdu beaucoup de poids. Ah non, ماشي قلت لك la pilule ما تشينش, ماشي بالك c'est l'allaitement, بالك c'est la fatigue, mais تاخد c'est Razette ما تشينكش. C'est un progestatif, اذا ما سمناتكش ما تشينكش. En tous les cas, une chose est sûre, Anna Siyit, يعني في les 3 grossesses, l'allaitement après, je sais pas si c'est par rapport à ça que j'ai maigri, mais je perds beaucoup et rapidement après le... Bon, après, kif-kif, je reprends le sport et tout, mais j'allaite, je remarque que l'allaitement aussi, il fait maigrir. Il paraît, hein, on dit ça aussi tout le temps, donc j'ai beaucoup perdu rapidement après la grosse, après l'accouchement. L'infection du sein chez une femme de 60 ans, comment ça peut arriver et comment on peut la soigner? Alors, si c'est infection du sein, tu parles d'un abcès du sein. D'un abcès du sein, là, parfois on fait même des prélèvements avec antibiogramme pour voir le germe. Voilà. Après, il faut des antibiotiques, il faut parfois même des injections. Mais si elle met la biche, donc, il faut soigner. C'est comme la selma progestérone. Mais allez, Nisrine. Allez, burdistérone, selma progestérone, c'est bon, je vais tout. Bonsoir, docteur. Bon, mes dernières règles. Ok, ça n'a duré que 2 jours. Et le deuxième jour, c'était de couleur foncée, presque noire. Jamais eu ça. Mon cycle dure 6 jours d'habitude. Peut-être stress ou là, non, il y a des périodes. Oui, exactement. Même pour le cas, il faut la couleur. Je ne sais pas si on a la couleur telle les règles.
parce que oui, parfois c'est coagulé, ça devient noir, parfois c'est rouge, mais c'est l'abondance. Parfois c'est très abondant, parfois c'est peu abondant. La durée parfois que tu belle écoutez rien à stress, c'est avec le confinement siem qu'aime bzaf les Ramadan. Ils font mais il a ça reste ça arrive marra ou là ma clair. Ah oui, Hadi Wahda, elle a posé la question tout à l'heure où on cite, voilà, qui que nous sommes faut faire la question taha justement. Oui. Elle a très mal à l'ovaire gauche. Elle a une douleur assez forte. Qu'est-ce qu'elle attend? Elle doit consulter. Elle doit Justement. consulter, elle doit faire une échopelvienne. Chaque Voilà. délai, il faut consulter, il faut voir qu'est-ce qu'il y a fait à cet ovaire. S'il n'y a pas de kyste en torsion, s'il n'y a pas quelque chose chauffé. Je suis enceinte, je suis en train de faire la rééducation du genou. Je fais des injections de miso. Thérapie. Est-ce que c'est normal avec la grossesse? Donc, misothérapie, c'est quoi? Est-ce que c'est à base de corticoïdes? C'est à base d'acide hyaluronique? Il y a, pardon, parlez-nous du vagin, s'il vous plaît, c'est mon troisième. C'est mon troisième? Message, c'est-à-dire ce que ça veut dire. On avait parlé, je pense. Elle me contacte en privé parce que je fais le vaginisme. C'est un problème qui est psychique, enfin, prise en charge. Un psychiatre carrément, un psychologue, parce que c'est la peur qui fait que la femme contracte son vagin. Donc, et un sexologue parfois pour faire la dilatation et tout. On va aller en privé, tu seras plus à l'aise. Vas-y, Lilia, Inch'Allah. Ok, j'ai une descente d'organes. Ah, je veux pas d'opération. Ok. Ah, je veux pas. Alors, Wahda, bonsoir. Quel est le meilleur moyen de contraception? J'ai peur de prendre la pilule. Homme de bonheur. Pourquoi tu as peur de prendre la pilule? Si tu n'as aucune maladie, si tu n'as aucune contre-indication, aucun antécédent la famille, Wahda, tu as peur de prendre. Alors, mais si tu vas pas la prendre, surtout si tu te maries bientôt, indique-toi les moyens enfin, locaux, préservatifs, la méthode du retrait. Voilà. Voilà. Voilà, c'est moi. Sinon, tu vas compter parce que si tu n'as pas un cycle régulier, tu vas tomber enceinte. Ou Alors, là, c'est ton ovulation et tout parce que ils sont tombés enceintes. D'accord. Mais le stérilet, je le fais pas chez une nulipare. En France, ils le font. Anna, personnellement, je l'évite. voilà. Ok, la question je suis là tout à l'heure. Alors, avec ta gêne descente d'organes, car c'est un peu handicapant. Yani, elle veut dire qu'après l'opération, ça devient handicapant. Elle ne peut pas faire de fitness, de sport. Alors, Mariam, Non, pour handicapant. Elle ne veut pas faire l'opération. je lui ai répondu, Hadik. Oui, mais. Il faut voir le stade, t'as le prolapse. Si c'est un stade 3, c'est opéré. Parce que c'est là que ça devient handicapant. Voilà. Mais si c'est prolapse de grade 1 ou là, tu veux faire la rééducation périnéale. Mais il a une intervention, donc ils ont indiqué la cure de prolapse. Voilà, je suis mariée. Alors, Amin Jaha, il faut faire attention au cancer induit. Alors, Amin Jaha, il est urologue. Il faut faire attention au cancer induit par les anti-œstrogènes. Voilà, comme le clomid ou le tamoxifène. Alors voilà, que le clomid, tous les anti-œstrogènes, ils peuvent induire, enfin, augmenter le facteur de risque à le cancer induit par les anti-œstrogènes. Voilà. Alors, vous préférez la pilule ou le stérilet? Alors, ça dépend, c'est selon l'indication. Je préfère pas un hakabark. Ou j'indique un. Alors, les OPK, ovaires polykystiques, est-ce que c'est inquiétant? Il y aura des problèmes pour tomber enceinte. C'est pas systématique. C'est pas systématique. Une fois que vous vous mariez, Inch'Allah, tentez une grossesse. Vous avez au PK, il y a des hommes qui m'ont appelé. Bon. OK, parfois, il nécessite
une induction ولا مي ما تقلقيش من دوكا. Voilà, قلت لك وحده بون هذا من لحقت اسكو لو سبور il risque de faire bouger le stérilet. Ah oui, ça dépend que où je dirais comme sport. Voilà. Mais là, faut pas sauter, qui m'a à la corde et tout. Pas porter des charges lourdes. Voilà. Des dumbbells. Juste un tout quand même. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Faut pas faire des gestes brusques. Il faut pas faire les sports de contact aussi. Et voilà, il faut pas faire trop de musculation, trop de charge. Hein. Quand on dit musculation, il y a ni trop de poids, comme ça, c'est à 10 kilos. Mais si tu as 1, 2 kilos, donc c'est rien du tout. Travailler avec ça. J'ai toujours mon. Ok. Ah, j'allais toujours mon bébé, il a 14 mois, l'Iber, qui maintenant, je n'ai pas eu mes règles encore. Dois-je m'inquiéter? Ouais. Non, non, c'est surtout si tu es sous pilule, c'est dû à l'allaitement. Mais le kibar qui est une grossesse, par contre, si tu n'es pas sous pilule, le cachemin à l'allaitement, il a un effet contraceptif avec le cri. Donc, à l'allaitement, même si tu allaites, j'ai vu beaucoup de femmes allaitantes, mais Ah, elles sont enceintes. toutes celles qui veulent avoir un bébé, Inch'Allah, Rabbi, je sais pas, le gynéco s'il y a des moyens, des trucs à faire. Et après, surtout, 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 il faut pas trop stresser, il faut pas te brancher l'idée, parce que plus on stresse, moins on a les chances pour tomber enceinte. C'est mon avis. Alors, peut-on épiler la zone de la césarienne? Oui, on peut l'épiler avec la cire ou là sans problème. Alors, évitez les crèmes au camel parce que parfois il y a des surinfections, mais sinon la cire ou là sans problème. Voilà, sans problème, gars. Alors, s'il vous plaît, à quel mois de grossesse faut arrêter l'acide folique? Alors, l'acide folique, on l'arrête à 16 semaines. 16 semaines, 15-16 semaines, après on fait le relais mal le fer. Donc, tepsi l'acide folique ou tarder du fer. Ok. Ah, Moplinka, elle est dentiste, c'est ça. C'est elle qui dit que le Adinarf, On l'a même belle. la voix fait la vie. Peut-être elle est dentiste. Ok. Pour les radios, ok. Pour le radio, il y a le tablier. Ah, ok, c'était. Et là, je m'y Merci pour votre réponse. De rien. Blamzia. Ok, merci, Mariam et Gigi. Blamzia. Alors, avoir un bouton dans la partie pubienne. Dans la partie des lèvres, est-ce que qui grandit, dois-je l'enlever? Alors tu dois consulter Herbel, parce que parfois ça peut être une bartholinite, parfois c'est un kyste de la glande de Bartholin. Si c'est une bartholinite, il faut des antibiotiques. Si ça disparaît, tant mieux, parce que ça revient à chaque fois. Sinon, c'est à enlever. Mais c'est rien du tout. Alors, le fer me fait une constipation. Alors, le fer, oui, j'avoue, mais qu'un des fers, oui, il ne constipe pas. Bah, d'ailleurs, en privé, pour éviter la pub au labo, donc, bah, quel fer faut prendre, si, en général, tu vas bien le tolérer. D'accord. Classe, même les gens des questions là, le sport ou là, vous m'envoyez aussi au. Et je vous réponds, il n'y a aucun problème. Je réponds à tous les messages et je pense que toi aussi tu fais la même chose. Une fuite urinaire, Moplinka, c'est-à-dire, c'est quoi la question? On avait parlé de ça avant. En général, ça arrive aux femmes qui n'ont pas fait la rééducation périnée après la grossesse, après l'accouchement. Donc, le risque de femme, c'est les fuites urinaires après, avec le temps. Je suis à 18 semaines, je prends Zanitra et Genizia. Bon, à 18 semaines, tu n'as plus besoin du Zanitra, l'acide folique. Genizia, rajoute un fer. J'ai déchiré le fer. D'accord. Hadi Wahda, qu'elle a fait le test de grossesse, il est positif. Est-ce qu'elle continue à prendre l'acide folique? Oui, bien sûr. C'était 16 semaines, Kemble. Ah, yeah. Très bien. Alors, Parlez-moi. durcissement du ventre à 9 mois. Mais femme, tu m'aideras. Est-ce que tu veux dire des contractions? Est-ce que tu es enceinte de 9 mois? Et tu as essayé quelque chose de dire? Parce que là, c'est des contractions préparatoires. En plus, à 9 mois, le trafic, là, c'est là qui fait la prématurité. Là, je ferme la question. Voilà. Yasmine, pour une femme maigre. Bon, compris. Donc, c'est rien de grave pour l'abcès. Ok, et de ça. Est-ce Ah non, que. pour je lui ai répondu, mais elle a l'abcès du sein, je lui raconte que ça se traite. Bien sûr, si tu laisses traîner
m'attacher par des substances, là. Faut bien, faut consulter et traiter. اوكي بون وحده قلت لك 5 ans de mariage مازال على ان اوبيتال شاء الله ربي يرزقك ما تغلقيش روحك 5 ans. انا جي قلت لك دي 17 ans, 7 ans, 6 ans, même sur Instagram, 6 ans de mariage, 7 ans. Ma تغلقيش روحك, ça va venir, ان شاء الله. والله C'est quoi OPK, s'il vous plaît? ovaire polykystique. تكيس المبايض, c'est ça? Alors, Nessaline, je fais des spottings après un an de stérilet. Alors, est-ce que je dois l'enlever? Est-ce que tu, si, Nessaline, est-ce que si les spottings tac, vraiment, c'est des spottings, donc ils sont pas abondants. Là, il m'a dit qu'on a des thèmes, les chouïa, ben, qui rohou. Mais si ça devient abondant, abondant, ça t'agace, c'est ma qui t'a d'aller t'nacher. OK. Alors, wahda qati, ma hiya fawaid zayt kabid al-hout. المرأة على الصحيح يزيد في المناطق الأنثوية. والله ما نكذب عليك يا أختي, ما نكذبش عليك. زيت كبد الحوت أنا ما نعرفوش كامل في ديناي داك, ما نعرفش أنا, جامي سمعت بيها, ما نقدرش نقول لك. الحوت مليح بو مليح لا بو مليح باسكو فيه ماشي زيت الحوت, زيت كبد الحوت. سبيسيالمون كبد. ايه زيت كبد, زيت الحوت عم بالي بلي بكري كنا نديروها بوغ لي بيبي لي كان دي زيتام دي زيتام فيسي نشفى لها, ديك كانت تباع في لافارماسي بكري. مي زيت كبد الحوت والله ما نكذب عليك. هذه قالت لك كومون اون بو سافوار سي اون ا اوبيكا او با والله لا سي اون تحوسي عليها يا اختي, اذا سي تو ني با اوبيكا ما تحوسيش عليها, هذا واش ننصحك. سي تو ني با اوبيكا دونك تو نا با دو سيكل لون, تو نا با ديرشيتيزم, تو ني با اوبيز, ما تقلقيش روحك كنساي لوبيكا. فوالا اوكي 38 Alors, peut-être. la misothérapie, c'est des faibles doses de trois médicaments et le médecin m'a dit que c'est pas contre-indiqué pour une grossesse. Alors, il a dit qu'il n'est pas, c'est pas contre-indiqué, il saura mieux que moi. Donc, parce que, il est pas, un traitement qui est contre-indiqué quand tu es enceinte. Mais par contre, je sais pas d'où les trois médicaments qui sont mélangés. اوكي هذه وحده قالت لك على دولور دو راجل دولار دراك كيفاش على ديتاي ولا كتبت هكا دولار دراك بس كما كان اللي كيسوا راهم يطلعوا لي بالخف مريم مانيش نقرا. يا بوكو دو كيسيون سيل بو بلي بور لي دولور دو راجل شاك جور مالغري لي زونتالجيك ان ساشون كو جي في ايكو يا ريان ان Tant mieux. دولور سو ديكلونش شاك فوا جو فيد لا فيسي اي جو مانج. Ah. Je fais pour les dyspénorrhées, ils vont pas se déclencher une fois que tu vides la vessie ou là que tu manges. Les dyspénorrhées, ils sont là. Si tu as tes règles, c'est des douleurs vraiment. Elles sont intenses parfois. La râle. Je fais. Tu peux aller jusqu'à faire une IRM pour voir s'il n'y a pas d'endométriose. Parce que l'écho, il peut passer à côté d'une endométriose. Donc, je te conseille. Les douleurs, elles sont invalidantes. Même, peut-être des anti-inflammatoires, et bien sûr, l'anti-inflammatoire, qui dit anti-inflammatoire dit ulcère, dit gastrite. Donc, je te conseille de faire une IRM. Il y a une IRM, mais bien, tu peux bloquer ton cycle. Donc, on a avec une pilule, ou la gynécothèque, une pilule, pour bloquer l'ovulation, et là, tu vas pas avoir mal pendant tes règles. Voilà. Bon, la répondeur, bon, elles ont traduit osmosite kabed el hout, c'est le foie de morue. ايه ما والله ما مام زولو فاد مغي ما نعرفوش ما نكذبش عليك. Faible dose, ok. Alors vous avez raison, il ne faut pas stresser, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, mais il ne faut jamais abandonner ou perdre espoir. J'ai eu un enfant après 13 ans de mariage. Alhamdoulilah, voilà, un témoignage haïl. Mbrouk alik. Amir Amiro. Bon, après 13 ans, adhiya. Alhamdoulilah. Voilà, faut prendre, voilà, prendre un exemple. Voilà, exactement. Est-ce que l'acide folique peut causer des réactions cutanées? Je suis à la semaine, je remarque que j'ai des urticaires. OK. Des urticaires. Alors, je fais en général, non, j'ai jamais vu une réaction suite à, après la prise de la vitamine B9, mais faut tester. Hepsi, hepsi, ou choufi, il y a de l'urticaire, il y a des roches. Ouais. Sinon, il y a un seul comprimé. Subitement, l'urticaire, donc c'est lui. Donc, là, hepsi. Ouais. Sinon, tu connais ton rien de l'allergologue, il va vous faire des tests. Voilà. هذه وحدة بون tu as déjà répondu à ça. Est-ce que حبوب منع الحمل في بداية الزواج يؤثر فيما بعد؟ ما يأثر ما والو.
نو ما يأثرش ما يأثرش إذا ما كان عندك حتى مرض نتيا. Voilà, la... منع الحمل elle peut cacher une infertilité, elle peut masquer une infertilité, mais ماشي c'est pas la pilule اللي يدير لك l'infertilité. Non, اللي ما كاش منها. Oui, l'huile de foie de morue, cher docteur, ça y est toujours. Oui, on sait que c'est, mais la question, elle n'était pas. On n'a pas compris la question, t'as la fille. C'est ça par rapport à la zit. Ok. Bon, j'ai 35 ans, je suis née pour tomber enceinte. Bon, tout Alors, ça. les douleurs au dos et les muscles dans le corps. Les douleurs au dos, la main de ben, ça dépend. Belak une Eh ben oui, Alèche, elle a dit juste des problèmes de dos, c'est ça? C'est quoi la question? hernie, belak les problèmes de dos de ma queue. Problème de dos, en tout cas, souvent, souvent, c'est une hernie. Hein. C'est le problème, je sais pas, 90%, on va dire. La muscu, c'est ça, c'est l'hernie discale. Mais après, quand on est en pleine crise, il faut laisser passer. Par rapport au sport, je parle là, mais sinon, tu peux toujours faire du sport. Étirement bzzaf, c'est bien. Il faut muscler, je suis à son dos aussi, c'est bien. Alors, Après. est-ce que c'est vrai, pardon, Mme, est-ce que c'est vrai que la prise de pilule, là, que la prise de levure de bière pour une poussée de cheveux fait aussi prendre du poids? Alors, oui. Anna Niqolikaleha, Anna, j'avais pris, écoute, j'avais pris la levure de bière pour prendre du poids. J'étais très maigre. Ukhditha, mais finalement, il dit que même les mais entre-temps, tu auras des poils ailleurs. Tu auras des poils vraiment ailleurs, donc, hadri. Chauffer, délire un tableau, trace le pour et le contre. Mais oui, dès le canarchutisme, à l'heure de le dire. Donc, bzaf li surtout les jeunes filles, bon, titre que je pour la barbia, mais ailleurs. Ailleurs que là où il faut. La pilule est antécédent de cancer du sein. On m'a dit qu'il faut éviter. Antécédents familiaux, antécédents personnels, bien sûr. Et avec les halana, que ça soit qui connaît, surtout la famille, enfin, côté maternel. Que ça soit un cancer du sein, faut pas prendre la pilule. Ok. Bon, Rani Belhamlo, vous avez dit bridural, c'est quoi ça? Péridurale. Ah, la péridurale. Ouais. D'accord. Et péridurale, كنزيد وخو كنزيد وخوفني منها. بلا راني عايشة في فرنسا وعندي سؤال التنفس تاعي ماشي نورمال، تنفس بصوت عالي راني 6 شهور. الوغ ديري لا بيريدورال بيان سور، لازم تشوفي رانيماتور من قبل. في Ah الرانيماتور كي va indiquer، mais si tu n'as pas de problème غير ديري لا بيريدورال. oui. Je suis à la douleur avec t'as ça. Est-ce que la péridurale cause des maux de dos? Alors que le hada kifash kayen yitrol lek blli dat la rachi dat la péridurale j'ai toujours eu mal kayen li walou. Ouais. Mais ça n'a pas été prouvé directement. Il n'y a pas de relation en cas direct. Pour la Alors péridurale. pour une femme qui a une malformation du rachis et est-ce qu'elle est enceinte, est-ce qu'il y a des risques pour elle ou le bébé? Alors là, c'est pas pour elle ou là, le bébé, mais lors de l'accouchement, faut discuter la voix. Est-ce que c'est une voix basse ou là, une voix haute? Donc, si la voix basse, elle est permise, mais malformation du rachis, en général, le bassin ne sera pas perméable. Donc, elle va accoucher sûrement, enfin, je sais sûrement, que le plus possible par césarienne. C'est ça. C'est bien sûr, surtout les antécédents d'accident, ou la liée son petit de taille, ou la malformation du rachis, Six ans de mariage, quatre fausses couches, à part l'OPK, j'ai rien, je désespère. Voilà. L'OPK m'a dit que j'étais fausse couche de façon directe. L'OPK, en général, c'est en ovulation. Vu que tu ovules, donc c'est bien. Faut faire un bilan antiphospholipide. Faut bien explorer. Mais maintenant, je dois quitter dans 2 minutes. Là, il fallait le téléphone. Oui, Hadakoa, de toute Mais je façon. dois rentrer aussi. Et... Bon, les autres, enfin, vous pouvez me poser les questions en privé. Je réponds sans problème. Gynéco Bien pour comme
centraliser pour moi, il n'y a aucun problème, on vous répondra avec grand plaisir. Allez, marhaba. Après, on dira un live à l'OPK, on a refait en détail, Inch'Allah. Oui, voilà. Merci. C'est un plaisir, Marie. À bientôt. Bon. La connexion. Bon, super, oui, j'ai vu d'autres. C'était un peu la galère. Allez, bonne nuit, la bonne nuit, les. J'espère qu'on a été. Qu'on a été. Voilà. Qu'on a pu répondre aux questions que tu fais toi aussi. Alors, je peux avoir ton Instagram, s'il vous plaît. Je ne sais pas si il y a la ou la, mais ce n'est pas un problème. Elle est en live avec Fana. Vous cliquez directement. Enfin, qui sûrement, sûrement Miss Fitness Instagram. Et-word. Et pour le sport, avec Miss Fitness -842. Voilà. Au mahbabikum. Que ce soit Andy ou Andha. Allez, bye bye, Marine. Bonne nuit. S'il te plaît. Comme ça, je vais mettre les deux lives ensemble et je vais les poster. Tu enregistres le live, s'il te plaît. Fais, une option enregistrer IGTV. Donc, tu cliques sur IGTV. Déterminé. Voilà, qui te relève le live, fais IGTV. Tu cliques sur IGTV. Tu l'enregistres là. Je viens, je le prends là. Ok, je le colle. Ok. Ça marche. Merci, bye bye. Tout le monde, subhanallah, inchallah, wa ala khair. À bientôt.